my Spider-Man. Bonjour à tous, bienvenue pour mon 12e cours de tango. We continue today with voleos, and Daniel will explain to you what he learned today. But I want to start just by mentioning something we spoke about off the camera yesterday, which is how much flexion is necessary in the knee to mark a voleo. It is not important to take a very huge step on the circle, and it is not important to make a very deep flexion. What is important is to use the muscles, the quadriceps and the hamstrings, and really make a hard contraction of the muscles. That's where the power comes from his body into my free leg. Not from the size of the step and not from the depth of the flexion. And what is also absolutely necessary is the geometry of that step, that he's moving on a circle around me. And so what did you learn today, Daniel? Alors aujourd'hui, Vio m'a appris qu'il y avait deux possibilités de faire le voléo. Donc soit en symbiose, on peut dire ça, en symbiose, c'est-à-dire ensemble. Donc on bouge d'une seule et même personne, ou sinon contre. Donc ça c'est pro, et contre c'est quand je vais partir dans un sens et que Vio va bouger dans l'autre sens, envoyer sa jambe dans l'autre sens. Donc alors je sais pas trop si c'est clair, mais on va vous le montrer pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc pour faire comprendre, envoyer le message à Vio pour qu'elle puisse savoir qu'est-ce que je vais faire comme mouvement, si c'est pro ou contre, et ben du coup au niveau de la stabilisation je vais avoir les épaules stabilisées pour le pro, et pour le contre je vais déstabiliser mes épaules, je vais les relâcher. Are you ready? Oui. C'est parti. On va se mettre ici. Alors on va commencer par le mouvement, hein. Donc ici, là, hop, là, c'est pro, stabilisation des épaules. Ici, déstabilisation des épaules. De l'autre côté. On commence. Oui, là, j'étais pas stable, là. Quelquefois, il stabilisait les mains. Oui, oui. Il était un peu confusé. Ok. Tu réalises la différence dans la dynamique. Ouais. Le contre, mon jambe, c'est plus haute. Oui. Et avec plus de force. Ouais. C'est la différence. J'ai vu ça, on aurait dit qu'on était en train de se battre. Exactement, le contre a beaucoup de puissance. Okay. Plus de puissance. Ok. On va y mettre quelques... C'est ce que j'allais dire. On va y mettre quelques pas quand même. Ah là, j'ai bien déstabilisé, là. Oui. Ok, bah écoute, ça a l'air d'être pas trop mal, parce que ouais, c'est difficile de fonctionner au départ comme ça, d'être vraiment en symbiose, que ce soit le donneur, ce que je peux appeler le donneur, c'est celui qui donne qui envoie le message, et le receveur, il faut vraiment qu'on soit en symbiose, quoi, qu'on communique vraiment, et ça passe par le corps.
Donc il faut vraiment qu'on travaille ça. Limite tout seul comme ça, d'être tout seul comme ça, de travailler stabilisation sans être crispé sur les bras. Là ici, relâché au niveau des mains, hop, stabilisation, déstabilisation. Très bien. C'est bon ? Oui. j'ai compris ? Oui. Ok, très bien. It's a very, very interesting, and I wrote a blog post about this just yesterday, about the experience of teaching this incredible man. The time limitation adds something very interesting, because I cannot stop and make long explanations or I will use up all his practice time. So what's really amazing is to see that even with 15 minutes of practice, and even sometimes during the 5 minutes that we spend recording the video, he improves massively. Thank you. je suis tout gêné. Je suis tout gêné. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir d'entendre de la bouche de Vio que je me débrouille pas trop mal au final, en gros, si on peut résumer ça. Donc j'ai encore beaucoup de travail. J'ai encore beaucoup de travail, mais voilà, je vais pas lâcher. Mais en tout cas, merci. Et puis, on se retrouve demain pour la 13e leçon.